4, 3, 2, 1, c'est parti! Je m'ai choisi car j'ai un plexus baccalauréat gauche depuis la naissance. Je suis championne de France handisport à la longueur et vice-championne au 100 mètres et au 200 mètres. Je pratique l'athlétisme, cela va faire bientôt 4 ans. J'ai commencé les compétitions en valide, je m'entraîne avec les valides. Et l'année dernière, on m'a proposé de faire le championnat de France handisport. J'ai accepté et d'office, ma première année, c'était mon premier championnat. J'ai été championne de France à la longueur et vice-championne au 100 mètres ou 200 mètres. Je pense que le tournoi des lycées est une très belle manifestation car elle nous permet de guérir la paix entre nous lycéens et de nous divertir, de nous amuser dans le calme et dans la paix. Récolter des fonds et c'est un voyage pédagogique pour visiter des écoles et des hôpitaux par rapport à notre filière, la première S et 2S et voilà. Je trouve que ce genre de manifestation est un plus pour nous jeunes
car elle permet de lutter contre la violence dans et autour des lycées. Essayer d'arrêter de dénigrer, par exemple, les autres par rapport à leur provenance, leur lycée. On a senti la fatigue du match précédent. Je m'appelle Mavroudis Chesuava, je suis au lycée professionnel du Major Joseph. Cette manifestation nous permet d'avoir du plaisir à jouer ensemble, à se lâcher, à lâcher prise. Et ça permet aussi à tout le monde de mettre dans leur tête que les conflits, ça ne sert à rien et qu'on s'amuse en fait à jouer ensemble. Enfin. Pour l'instant, ça se passe bien. Il n'y a pas de violence et c'est surtout aussi contre ça on lutte contre la violence parce qu'il y a trop de violence et c'est pas bon. Donc je conseille à tous ceux qui ne font pas de sport, de foot, de basket, tout ça, de s'inscrire parce que c'est intéressant. Ça nous fait décompresser. Si tu as des petits problèmes et tout, tu vas jouer au foot, tu vas jouer au basket pour oublier et tout. Et ça c'est super. Donc je vous conseille de pratiquer du sport, même si c'est de la marche, de la course à pied, c'est intéressant. Donc je vous conseille de pratiquer du sport. Bon. Ben, c'est la première fois que l'on participe, notre établissement du couvent de Cluny. Et nous pensons que c'est une manifestation assez intéressante parce qu'elle est contre la violence. Donc ça permet de réunir et de rassembler 10 lycées et ainsi de voir les différentes communautés, de jouer ensemble, de jouer contre et ainsi de permettre de rapprocher les élèves entre eux. Donc comme mon ami Joris a dit, ça permet de se voir, de rencontrer des gens, de discuter, d'apprendre un peu plus, enfin de faire de nouvelles connaissances et puis arrêter de stéréotyper je pense les différents lycées et puis de voir qui se cache derrière vraiment. On n'a pas eu un très bon départ dans notre tournoi, on a été éliminé, mais bon même si on perd, c'est toujours sympa de venir, il y a une bonne ambiance. Franchement, moi, j'ai beaucoup apprécié. Je fais partie de l'organisation générale du tournoi des 10 lycées. Donc, notre tâche, dans un premier lieu, était d'accueillir les lycées, de les diriger vers les tribunes et de veiller au bon fonctionnement. On a aussi des équipes qui s'occupent des animations sportives qui sont... Elles doivent compter les poules, etc. Et aussi une organisation à la sécurité, des élèves qui aident les agents de sécurité à veiller au bon ordre de la manifestation. Donc aujourd'hui, c'est la 4e édition du tournoi interlycée. Donc cette fois, nous réunissons 10 lycées. À l'origine, c'était 3. Et c'est suite à des événements qui avaient lieu autour de lycée. Un jeune s'était fait agresser. Nous avons choisi en fait d'organiser un tournoi justement dédié à la paix, à la non-violence. Et cette année particulièrement, nous faisons un clin d'œil à l'handisport. Et d'ailleurs, notre marraine, c'est la championne de France d'athlétisme d'handisport pour sensibiliser la jeunesse à l'handicap qui peut être surmonté dans le sport comme elle l'a fait. Le conseil de la vie lycéenne, avec le soutien du proviseur adjoint, notamment M. Martin Kalala, a participé à l'organisation de l'ensemble de la manifestation. Il y a de cela, il y a au moins 2 semaines en amont. Donc nous avons organisé tout ce qui était la partie sportive avec les profs de sport. Nous avons pu également organiser l'arrivée des joueurs, leur accueil, mais également tout ce qui était notamment animation. Aujourd'hui, on peut dire que la manifestation était couronnée de succès puisque l'ensemble des équipes ont pu jouer. Malgré quelques retards au début qui nous a donné un peu de retard sur notre planning général. Mais en tout cas, la manifestation s'est excellemment bien passée. Je crois qu'il y avait une bonne ambiance. L'ensemble des jeunes qui étaient présents étaient satisfaits. Les animations étaient présentes. Le DJ était présent. L'ensemble des joueurs ont joué avec sympathie dans cette pensée, dans cette envie de faire play. Donc je crois que l'ensemble des conditions étaient réunies et on peut dire que notre manifestation a été très bien gérée et très bien dans l'ensemble aujourd'hui. Ouais. 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 Ouais.
Tous les lycées d'avoir été présents, d'avoir de vous être amusés, divertis et d'avoir gardé la paix. Merci à tous. Félicitations.